France Inter. Et c'est à votre tour, Thomas Croisière. Absolument, est-ce que tout le monde est OK pour le radis? OK. Et en ce 1er novembre de Toussaint, je voulais fêter tous les saints en karaokant Pierre Perret qui ne sortit pas que son zizi puisqu'il chanta « Lavez les seins comme des violons » et moi j'en jouais comme du piston. Mes airs mélodieux faisaient jaillir de ses yeux ronds de gros sanglots longs sur ses violons. Un Perret moins poète que pouette. Tout comme Julien Clerc quand il célébra les seins de Vic Béretton. Il faut des ronds, il faut des ronds, il faut des courbes, il faut des courbes. Des marchands marrons, rue Le Cours. Faut des ballons, des cerceaux. Et les seins de Sophie Marceau. Alors quittons les seins de la boum pour ceux qui font boum, car sous celui de Clara Luciani se cache la grenade. Sous mon sein la grenade. Ah ça vous connaissez. Sous mon sein la regarde. Sous mon sein la grenade. Ces seins qui sont à toi mais que l'on tatoue dans Mozart, l'opéra rock. Tatoue-moi sur tes seins. Fais-le du bout de... Je sais que ça te fait plaisir Julien, à toi. Le spécialiste des comédies musicales. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Ah, ces seins qui, chez Souchon, donnent de la valeur à la vie. La vie ne vaut rien, la vie ne vaut rien. Mets-moi quand je tiens, tiens. Mets-moi quand je tiens. Là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami. Là je dis rien ne vaut la vie, surtout quand on écoute. Et tous les saints. Oui, Michel Sardou, car Marion, tous les chemins mènent à Michel. Surprise, je vais t'aimer. Alors aimons les saints et tous les saints. Et la vie, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en karaokan. Merci Thomas Croisière. Et on rappelle qu'on peut vous voir sur scène à Paris, au Lucernaire, les vendredis et samedis à 21h30. Et ce soir, donc dès ce soir.